Bonjour et soyez les bienvenus. Des outils pour dire, lire et écrire, page 143. Première activité, donne le nom propre des habitants correspondant au nom des pays soulignés. Yani hat ism al-alam li al-sukan al-khassa bi asma' al-dawl al-musattara. Bon, on a un exemple. J'aime beaucoup l'Algérie. Alors, les habitants de l'Algérie, ce sont les Algériens. Isabelle et Paul sont nés en France. Isabelle ou Paul ou Lida fait France. Et donc, les Français. Français. B. Anna adore l'Espagne. Les Espagnols. Je connais bien le Maroc, les Marocains. أعرف جيدا المغاربة. سكان المغرب هم المغاربة. D. Vous connaissez le Portugal. هل تعرفون البرتغال؟ سكان البرتغال نسميهم les Portugais. E. Le touriste découvre la Turquie. La Turquie. سكان نقولو لهم les Turcs. Alors, pour la deuxième activité, complète avec l'adjectif qui convient. أكمل بواسطة الصفة المناسبة. طبعا نستخرج الصفة من اسم البلد اللي راهو موجود بين قوسين. عندنا première phrase. J'aime la cuisine Italie, surtout les pâtes. يعني أحب المطبخ الإيطالي وخاصة في العجائن بالنسبة للعجائن. alors هنا نقولو لا كويزين كي نوصفوها نحطو لاجيكتيف نقولو لا كويزين ايطاليان. هنايا ملاحظة نرجعو للدرس اللي فات قلنا باللي الاسماء هذه العالم ولا الصفات المستخرجة من اسماء العالم ما نكتبولهاش لا بروميير لتر ماجوسكول تكتب مينيسكول. alors نقولو جام لا كويزين ايطاليان سورتو لي بات. دوزيام فراز L'ami de votre frère est Brésil. Sadiqo Akhika huwa min al-Brazil. Alors, هنا عندنا صفة, un adjectif, on قولو brésilien. Il habite à Rio de Janeiro. Donc, brésilien, maktbouhach majuscule, ça s'écrit en minuscule. C'est, vous aimez le sud Algérie. Alors, هنا Adjectif, on colo le sud algérien. Pas de majuscule. Oui, surtout le Tassili. Elle t'aime le Janoub al-Jazairi. Naam, wa khassatan al-Tassili. D. Nadia étudie dans une université Tunisie. Hna, on colo tunisienne. Nadia tadros fi jamia tunisia. Bidon majuscule. Dernière phrase. Les chocolats suisses et belgiques sont les meilleurs chocolats en Europe. Yani chocolat suisse là ou belgique hum ahsan chocolat fi l'alam fi Europa. Hna ya suisse rah tabqa hakda bsah sans majuscule. Ktbouha minuscule et j'ajoute le S parce que l'adjectif s'accorde en nombre et en genre. Hna عندنا les chocolats pluriel, donc nzid lha hnaya S. Et Belgique, la même chose. Belge, belge, nhiou hadik ik, tbqa belge. La majuscule trouh tbouli minuscule et j'ajoute le S à la fin. Troisième activité, recopie ce texte. En mettant les majuscules en nom propre. Nous حول الحروف الأولى تاع أسماء العالم. Alors, هنا لازم نبحثوا على أسماء العالم. حنا قلنا أسماء العالم لازم قادر يكون اسم بلد, قادر يكون اسم شخص, قادر أيضا يكون اسم مؤلف أو اسم un peuple ou les habitants d'un lieu, etc. On a à Paris, on a Paris, P majuscule, au musée du Louvre, kif kif, Louvre majuscule,
Au musée du Louvre, le visiteur japonais, mais qui se bouge majuscule, minuscule, parce que c'est un adjectif. Ou américain, kif kif, minuscule, peut admirer des œuvres diverses des sculptures de l'Égypte. L'Égypte, majuscule, Masr, Medinat. في مصر هنايا دو ليجيبت ترجع ماجيسكول انسيان او دو غريس هنايا جي ماجيسكول دي بينتور دو تو لي بيي ايطالي ماجيسكول هولاند ماجيسكول المانيا ماجيسكول اي سورتو لا فاموز جاكوندا لو جي ماجيسكول. Quatrième, recopie le nom du pays qui correspond à chaque drapeau et complète selon le modèle. يعني عندنا هنا أعلام مجموعة أعلام راح نديرو كيما المثال نكتب العالم اسم نصف العالم ثم نكتب حسب الموديل سكان البلد عندنا الجيري هي البلد لو درابو Algérien, l'alam al-jazairi. On met le soukan al-jazair, les Algériens. L'ahdou faqat billi hna f sifa, ma kanch majuscule. Faqat fi ism al-soukan. Wa fi ism al-balad, bien sûr. Bon, indana hna ya man aoudouch le premier drapeau ta l'Algérie, c'est l'exemple. N'rohou le deuxième drapeau, indana Allemagne. Allemagne, le drapeau allemand. Le drapeau allemand, on va dire que l'on ne met pas de majuscule. Le drapeau allemand, c'est en minuscule. Je me suis trompée alors. Allemand, on va dire des Allemands. Des Allemands, on va dire que l'on met pas de majuscule. Canada, le drapeau canadien. On va dire des Canadiens. Amérique, le drapeau américain des Américains. Sénégal, un drapeau sénégalais des Sénégalais. Angleterre, un drapeau anglais des Anglais. Turquie, un drapeau turc des Turcs. Avec S. Un drapeau sans S, les Turcs avec S. Tunisie, un drapeau tunisien, des Tunisiens. Chine, un drapeau chinois, des Chinois. Maroc, un drapeau marocain, des Marocains. Brésil, un drapeau brésilien des Brésiliens. Russie, un drapeau russe des Russes. Je vous donc j'écris la dernière activité. J'écris, présente un artiste de ton choix en indiquant son nom, son lieu de naissance et le titre d'une de ses œuvres. يعني قدم فنان من اختيارك تذكر اسمه مكان ازدياده واهم عناوين منجزاته ولا مؤلفاته. بون انا حطيت لكم واحد خدمت لكم واحد على وردة الجزائرية دوك نحطه لكم نقراه ولي يحب يهز الموضوع يوقف الصورة ثم ينقل. عندنا وردة الجزائرية لو تيتر وردة الجزائرية de son vrai nom وردة فلوكي est née le 22 juillet 1940 en France de père algérien originaire de Soukaras et de mère libanaise. يعني وردة الجزائرية اسمها الحقيقي هو وردة فلوكي ولدت في 22 جويلية 1940 بفرنسا من أب جزائري
أصلهم من سوق هراس ومن أم لبنانية. Elle commence à chanter dans un établissement du quartier latin à Paris. بدأت الغناء في مؤسسة في حي لاتيني بفرنسا. À l'âge de 11 ans, وعمرها 11 سنة. Elle a chanté 300 chansons ou plus avec sa belle voix et sa magnifique interprétation et surtout les chansons patriotiques عين الكرامة و بلادي أحبك. يعني غنت أكثر من 300 أغنية بصوتها الجميل الرائع وخاصة الأغاني الوطنية كما عيد الكرامة وأحبك بلادي. La diva algérienne est décédée le 17 mai 2012 au cœur d'une crise cardiaque. توفيت العملاقة الجزائرية في 17 ماي 2012 بالقاهرة بعد سكتة قلبية. نعود النص بسرعة. وردة الجزائرية. وردة الجزائرية de son vrai nom Warda Flouki est née le 22 juillet 1940 en France de père algérien originaire de Soukaras et de mère libanaise. Elle commence à chanter dans un établissement du quartier latin à Paris à l'âge de 11 ans. Elle a chanté 300 chansons ou plus avec sa belle voix et sa magnifique interprétation et surtout les chansons patriotiques « Aïn el-Karama » ou « Biladi Ouhibouki ». La diva algérienne est décédée le 17 mai 2012 au cœur d'une crise cardiaque. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.